chercher tout. Avec ma moto, là. Ici, c'est le champ de Moringa, en plein soleil. Et la chaleur a commencé. Et la question qui se pose ici, même si on l'arrosait, l'eau chaude peut tuer les racines et détruire ainsi les plantes. C'est la grande question. Les grands arbres peuvent résister, mais les petits qui ne sont pas en droit, les ressemis, qui ont à peine un mètre de taille, vraiment, on les plaint. Ça ne nous rassure pas du tout. Donc, toute notre prière est que vraiment, qui tient jusqu'à l'autre saison des pluies. Oui. Ou soit à ce qu'on mette en place le fourrage pour faire un arrosage massif. Là, on pourra les sauver. À peine les téléphones résistent au soleil. Tous les téléphones ici, jusqu'à 4, envoient le même message. Ça surchauffe. Et puis ça s'éteint. Ici, ce sont les hautes herbes qui ont envahi le champ de soja. Et d'ici peu, on va commencer par cueillir le soja, zone par zone suivant et la tige de soja qui est déjà mûre, parce qu'on ne les avait pas semées au même moment. On va traverser toute cette brousse là. Et la brousse aussi attire plus l'attention des bœufs. Parce que ces peules se disent que il n'y a pas de semis ici, il n'y a rien qui a été semé, donc c'est de la brousse. Les bœufs peuvent naturellement circuler et brouter. Ce qui est malheureux pour nous. Et nous sommes sans défense auprès d'eux. Parce qu'à la moindre incartade, ils peuvent tirer sur nous. Et personne ne les inquiète ici au Bénin. Et si vous faites tout pour les chasser dans la journée, avec le feu, ils reposent la nuit. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et ce matin, très tôt, ils sont passés dans le champ de Moringa ici. Et renversés cet même grand arbre de Moringa. Ils sont au loin là-bas. Ils ont renversé.